Voilà, donc Quadricolor, c'était votre morceau coup de cœur. Vous partez sur une île déserte. Sur cette île déserte, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Et ça s'adresse à chacun des 5 membres, puisqu'il y a un 5e membre dans Quadricolor qui s'occupe des textes. On en a déjà parlé. Par qui on commence? Bah, Billy, c'est toi. Allez, sur la gauche. On commence par moi, là. Allez, par toi. Dans le sens des aiguilles d'une montre inverse. Par exemple. Non. Si on a peu de temps, donc tu vas nous dire ce que tu apportes sur ton île déserte, s'il te plaît. Bon, alors un disque, un livre. Avec la main devant la bouche en radio, c'est pas top. Alors un disque, un livre. Allez. Bon, lui, il aura pas de guide désert. Une leçon d'un maître. Tu le sais, c'est la 4e fois que tu viens. Non, je dirais qu'en disque. Merci, David. Je dirais qu'en disque, ça serait le dernier PVT. Justement. Pivot. Voilà. Ah, j'ai suivi. Voilà. Ensuite, en livre, j'hésite. Avec Madame Bovary et. Et la princesse de Clèves. J'ai lu tous les Shrek aussi. J'hésite un peu. Je sais pas trop, comme j'arrête pas en ce moment avec les bouquins. Ça se voit. Donc ça sera entre Shrek et Madame Bovary. Le livre du code aussi, désolé Guillaume, je te pique ta plague. Et donc. Et voilà. En film alors, maintenant. En film ? Oui. Qu'est-ce que. Alors. En film. Je dirais. Semblant de pas avoir prévu la question, c'est terrible. Non, j'ai pas du tout réfléchi à l'île déserte. Pourtant, chaque fois qu'on vient, on la demande. En film, je dirais. Gepetto. Ça, c'est un film qu'on doit tourner. On doit tourner, bah, c'est ouais. Bon. Voilà, on partira avec notre film. Bah, allez, c'est parfait. Donc, on a eu un début d'île déserte. On va continuer l'île déserte de Quadricolor ce soir à l'oreille qui gratte. Sylvain, approche-toi du micro. Toi, tu es obligé de lire. Hein. Quand on écrit, on est obligé de lire. Donc, sur cette île déserte. J'aime la pression. Après, je sais plus ce que j'avais dit la dernière fois, mais ça risque d'être la même chose. Mais en livre, remarque, non. Le monde. Quand même McCarthy, la route. Ouais, bah, ce sera pas ça. Le monde selon Garp. Ah, très bon livre. Très bon livre. Très bon livre. Très bon livre. C'est agréable à relire. C'est vrai. C'est très agréable à relire, d'ailleurs. Et donc, ensuite. En musique, sur In Rainbow, je pense que c'est le truc que je pourrais réécouter. Agréable à relire également. Et en film. Et en film. C'est agréable à relire. Allez, lâche-nous ce film. Réfléchis. On n'y arrivera pas dans le temps parce que vous êtes ça. Il a vu Inception. Allez, Inception. Non, Matrix alors. Allez, Matrix. Allez, David le plus vieux. On enchaîne maintenant. Ok, alors moi, alors on va commencer par quoi? Un livre. J'aurais voulu être un artiste de Patrick Sébastien. Ensuite un film le dernier que t'as vu là, le petit tissu là, ah ouais, les petits mouchoirs de Guillaume Canet, très beau film. Et ensuite en musique, Nosage Singh, un petit chinois qui fait de l'électro et c'est super. Je vous le conseille à tout le monde. Le tour de table. Alors moi en film, je dirais Gran Torino. Le combien? En disque, je dirais l'album Yellow House de Grizzly Bear. Et en livre, je dirais L'attrape-cœur de John Steinbeck. Oh, agréable à relire. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est demander l'île déserte à Simon. Non, c'est ton tour ce soir. On nous le fait des fois, c'est Céline qui l'a fait la semaine dernière, elle prenait le feu follet, mais là, cette fois, c'est de vous. Alors, moi, c'est raté, Guillaume. Je pensais que ça allait marcher, mais ça marche pas. Non. Alors, moi, ce que j'emmène comme livre, je vais prendre. Comment ça s'appelle le truc que j'ai lu là. Ah oui, un truc de science-fiction. La nuit des temps de Barjavel, que j'ai lu récemment. En livre, j'emmènerai. Barjavel est un livre. Oui. T'as dit en livre. En disque, j'emmènerai. J'emmènerai un disque. Un disque. J'emmènerai. Un disque. Qui de nous deux de M. Voilà, je sais pas pourquoi. Ça me revient, l'enfance qui revient. Ça, c'est bien. C'est bien ça. Et puis un dernier en film, j'emmènerai. La vérité si je mens deux. Allez. Est-ce qu'il faut avoir vu le 1 pour voir le 2? J'ai pas vu le 2, mais je suis sûr que c'est un excellent film. Ah, mais j'en doute pas, ils doivent s'appeler Chibone, je pense. Dans très film. Bon film, moi j'ai vu. Bon, bah.